Bonjour Alexandra. Bonjour, bonjour. Il y a un vrai contraste de température aujourd'hui entre le nord et le sud. Hein. Chiffre du jour, mon cher Romain, 15 degrés d'écart parfois dans certaines villes entre les régions du Nord et les régions du Sud. À titre d'exemple, il fera 11 degrés cet après-midi à Strasbourg contre 24 degrés à Toulouse. Conditions météo hivernales sur le Nord. Et ce sera presque l'été en allant vers le Sud-Ouest aujourd'hui. Alors, côté ciel, eh bien, on retrouve ce matin de la pluie, principalement entre le Massif central, l'Auvergne encore en allant vers les Alpes et le Jura, avec localement un petit peu de neige sur le Jura au-delà de 900 mètres d'altitude. On retrouvera également quelques nuages. Sur les frontières de l'Est et puis partout ailleurs, globalement de bonnes conditions sur la façade ouest près des Côtes-de-la-Manche, avec également le maintien de la bise. Vous savez, ce vent un petit peu frais près des Côtes-de-la-Manche. Dans l'après-midi, eh bien de nouveau, un temps assez variable, assez instable, avec des averses entre le bassin parisien, le nord ou encore le nord-est. On retrouvera également quelques orages sur le Mercantour ou encore au pied des Pyrénées, puis du beau temps en allant vers le golfe du Lion avec le retour du vent. Mais c'est donc une journée assez variable qui vous attend, avec en prime des températures qui dégringolent. Ce matin, c'est presque hivernal sur le nord-est, seulement 3 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Nancy contre 11 degrés du côté de la Rochelle et dans l'après-midi, eh bien les températures baissent sur les régions du nord. Hier, on avait 20 degrés à Paris, on aura seulement 14 degrés cet après-midi, seulement 11 degrés à Strasbourg ou encore à Nancy contre 24 degrés dans le sud-ouest. C'est donc le grand écart entre le nord-est et le sud-ouest. Suite du programme, demain journée assez calme avec encore de la fraîcheur sur le nord avant une vraie dégradation prévue pour la journée de samedi. Et on part dans le Calvados avec avec des images. Regardez, c'était plutôt agréable hier, on avait seulement un temps un petit peu plus nuageux dans le courant de l'après-midi, on va conserver ce même type de conditions avec le retour de la fraîcheur sur le nord.